Bon, dans ce qui constitue mes jeux préférés, il y a Portal et Portal 2, juste pour leur histoire et leur personnage. Et j'ai récemment pu réellement jouer au jeu, parce que je n'ai pas de vrai ordinateur, on va dire, j'ai un Mac. J'ai enfin su jouer à la compilation des deux jeux sur Switch. Je les ai terminés en même pas une semaine. Et récemment, en cherchant des vidéos sur Portal, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui présentait une ROM qu'il avait fait de Portal sur Nintendo 64. Et je vais tester ça aujourd'hui. Here we go, motherfucker. Bon, ok, là, en fait, mes contrôles sont inversés. Disons que pour avancer, c'est sur le stick de droite, alors que pour bouger les caméras, c'est sur le stick de gauche. Ah, For the voilà. safety of others, please refrain from intake. Por favor, bordón de falla, muchas gracias. Stand back. Bon, au moins. The portal will open in 3, 2, 1. Oula. Ok, d'accord. D'accord. Est-ce que putain. Le jeu vient de crasher, non mais. D'accord, je pense que je suis pas censé faire ça en fait. Pleasant one, the specimen has been processed and we are now ready to begin the test proper. Donc je ne peux pas m'accroupir. Et je ne peux pas prendre les objets. Hello and again, welcome to the Aperture Science Canada. Voilà, je sens que ça va être compliqué. The portal will open in 3, Oh 2, Seigneur. 1. Ah bon, mon personnage n'existe même pas apparemment. Oh, il y a même toutes les indications. Oh, c'est trop cool. Par contre, je ne sais pas. Alors, je sais que c'est une démo, donc je ne sais pas jusqu'où elle va cette démo, mais. Ah merde. Ah merde, j'ai mis sauter sur la gâchette. Ah, fais chier. Oh, bordel, c'est sur le bouton X. Ah, mais c'est quoi ces contrôles? Oui, il y a genre littéralement aucun son, quoi. Oh. Ah! Non! Le cube! Bon bah. Ça manque quand même d'effets sonores, on va pas se cacher. En fait, il y a pas la moyen de transporter les objets. C'est pas tout quand même. C'est pas. Attends. Attends, la démo. Non, la démo. La démo est pas quand même finie. Non! Eh, Aperture Science! Et merde! Oh, fais chier. Ah d'accord, donc pour prendre c'est Y. Hello and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been Merde. processed and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep Merde. in mind that although fun and learning are the primary goals of all Ben, j'ai enrichment center enfoncé la radio dans le activities, sol. serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from. Por favor, bordón de falla, muchas gracias. Bon bah. Stand back. Si, ça a bugué. Parce que. Je me dis, c'est tout ce qu'il y a? Enfin. Je sais que programmer un jeu, ça prend du temps, mais. Je sais pas. En même temps, j'ai pas regardé depuis combien de temps il avait fait son truc, donc. Excellent. Please proceed into the chamber lock after completing each test. D'accord. Oh! Oui, ça avait effectivement bugué, d'accord. Par contre, ça manque de musique. Bon, bah, je vais le rajouter au montage maintenant. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt Aperture Science Heavy Duty Super Colliding Super Button. Alors, je sais que c'est qu'une démo, mais. Ah merde, je suis bête. Je sais que c'est qu'une démo, mais il aurait pu au moins ne pas donner le portal game maintenant. C'est quand même trop cool.
Perfect. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Oui, c'est fou, le... La voix de GLaDOS n'est absolument pas compressée, c'était pareil pour la musique de tout à l'heure. J'ai pas encore fait foirer le jeu. Dites pas que j'ai pas encore fait foirer le jeu, pitié. Ah, oh, pitié seigneur. Putain, j'ai l'impression d'être Lopoke. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities, whoa, serious injuries may occur. Oula. For your own safety and the safety, oula, of others, please refrain from... Ok, ok. Ouh là 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 là. Oh putain. Alors il n'y a pas de... Si ça ne se rouvre pas ici, c'est que ça doit être terminé. Qu'il n'y avait pas de mur d'incandescence. Bon ben... ouais. Ah oui non, non, on est toujours au même endroit. Je vois d'ici. Je pourrais sortir d'ici, s'il vous plaît. Laissez-moi m'amuser. Ouais, je suis toujours en même étage en fait. Ah, fait chier. Bon ben, c'était sympa, ça a duré 16 minutes en tout. Bon ben, merci à tous et allez quand même soutenir le créateur de cette ROM, parce que je trouve ça quand même assez cool. Il a expliqué dans les détails comment ils avaient fait de portail, malgré que ce soit sur 64, etc. Parce que oui, c'est une ROM, hein, je précise, c'est une vraie ROM. Je sais pas si elle tournerait réellement sur une 64, hein, vu les voix non compressées, mais je suis quand même impressionné du truc. Bon allez, bonne journée à vous.